Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. On est toujours dans la playlist de programmes que tu fais rapidement si t'as pas le temps, d'accord? T'as 3 jours d'entraînement dans la semaine ou un peu moins. Tu peux faire un de ces programmes-là dans cette playlist-là. Et aujourd'hui, on va faire les jambes. Par contre, je suis désolé un peu pour le cadrage, je le vois là sur mon téléphone. Ma tête, elle est un peu coupée, les jambes aussi. Mais voilà, la caméra, elle est vraiment collée au mur là. Tu vois, j'ai pas vraiment d'espace. Quand on va faire des exos en mode fente, en mode squat, exo debout, voilà, fallait que je me mette plutôt loin, donc j'espère que ça te dérange pas. Et comme tu as vu dans le titre, pour ce programme-là, on va faire jambes et abdos, ok? Deux exercices jambes, deux exercices abdos. On va pas se prendre la tête pour les jambes, squat, fente, abdos, crunch, relevé de jambes. Histoire d'être carré, histoire d'être bien, histoire d'être tranquille. Donc prends ta bouteille d'eau tranquillement, on va commencer. Premier exercice, fente. On va se faire 4 fois 10 répétitions de fente avant. Où on va alterner, hop, première jambe, on revient, deuxième jambe, on revient. Tranquillement, 4 fois 10 reps. Je suis désolé, je ne vais pas prendre très lourd aujourd'hui. Parce qu'après, je dois courir. Comme tu connais, je cours tous les jours maintenant. Enfin, j'essaie de courir un peu tous les jours avec mes tests. Donc, il faut que tu fasses les choses bien. 4 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. C'est parti. Allez, hop. Une. Normalement, le genou ne touche pas le sol. Allez. Hop. Deux. On essaie de rester bien droit. Ouf. Trois. Ok. Hop. Quatre. Ouais. Ouf. On arrive à la cinquième. Allez. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Allez. Neuf. Dernière. Et dix. Hop, j'ai mon temps de repos. Montrer. Je vais marquer fente. Et voilà, j'ai bois un peu d'eau. J'ai pas pris ma Clearway aujourd'hui. Il me reste pas beaucoup. Normalement, je reçois une commande aujourd'hui de MyProtein. Enfin, j'ai déjà reçu. Elle est en point relais. Donc, j'aurai ma Clearway. Par contre, ils n'avaient plus de goût pêche, les gars. Ils avaient plus de Clearway pêche. Ça, c'est pas bon, ça. Il me semble que là, ils en ont reçu. Mais j'ai dû prendre une, ouais, aux fruits rouges ou je sais pas. Je te dirai si c'est bon. Mais franchement, Clearway pêche, c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Oh. Repos, on va prendre une 30. Et là, bizarrement, je suis très fatigué, là. Je suis essoufflé. Alors, j'ai fait juste des fentes. Après, je cours partout depuis ce matin, je te cache pas. C'est un peu compliqué. Mais bon, tout va bien se passer. Ça va bien, je fais mes jambes pour mon petit footing de tout à l'heure. Allez, 10 secondes, une 30, et on repart. 5 secondes, ça laisse le temps de replacer. Tranquillement, hop, on prend les deux haltères. Et on y va. Allez, hop. Une. Par contre, je mettais mon buste en avant. Je vais essayer de rester droit, là, cette fois-ci. Deux. Allez. Ouf. Trois. On ressent bien les quads, là. Allez. 4. Allez. 5. Allez. 6. C'est rien. On va au bout, allez, allez. 7. 8. Encore 2, allez. Ouh.
9. Dernière. Et 10. Très bien. Hop, pose les haltères. Temps de repos. Deuxième trait, on est bon. Voilà. Dans cette playlist-là, j'essaierai de te faire des 10 fois 10 répétitions. Je prends un mouvement et je le fais 10 fois avec toi. Ça peut être bien, ça peut être cool. Et on progresse bien avec cette méthode d'entraînement. Moi, je le fais pour beaucoup de muscles, notamment pour les bras, c'est mon point fort. Et je pense que ça va t'aider à aller plus loin physiquement, te sentir mieux aussi. C'est important. Ouh. Mais là, ouais, là, à l'heure où je fais cette vidéo, mon bureau, mon setup, il n'est pas encore fait. Parce qu'en fait, je reçois un bureau sur Amazon. Il prend un peu de temps à venir, comme il vient d'un pays, Slovaquie ou je sais pas quoi là. Donc ça prend un peu de temps, d'accord. Mais quand je l'aurai reçu, là on sera bien, on sera vraiment bien. Moi je pourrais travailler dans de bonnes conditions. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après le bureau, ben, faut investir, faut mettre de côté pour s'acheter un MacBook Pro. Bon là, on va prendre plusieurs mois, mais on va prendre notre temps, quand même. Il reste 5 secondes, et on repart. Allez, troisième, il en reste deux. Il en reste deux, après c'est fini. Allez. Hop, on reste bien droit, allez. Une, ouais. Ouf. Deux. Allez. Ouh. Trois. Allez. Ouh. Quatre. Allez. Ouh. Ouh. Cinq. Allez. Ça fait mal. Allez. Allez. Six. Ouh. Allez. 7, on va au bout, il en reste que 2, allez, allez. Allez, allez, hop. 8. Allez. Hop. 9. Dernière. 10. Très bien. Hop. Je mets mon temps de repos, troisième trait, et il nous en reste une. Ouh. Franchement, les fentes, ça me fume. Là, il fait froid. Je commence à me réchauffer un petit peu. Mais les fentes, incroyable. Si tu as trop mal, si tu n'arrives pas, tu peux enlever les poids, enlever les charges. Tu fais des fentes où tu gardes tes mains comme ça. Hop. Hop, d'accord. Bon là, je me baisse pas parce que voilà. Mais je mets tes mains comme ça. Si c'est trop facile, je peux prendre beaucoup plus lourd, d'accord. Histoire de mieux sentir tes fentes. Tu peux aussi prendre une barre, la mettre là et faire tes fentes. D'accord. Ça va être un peu plus dur au niveau de l'équilibre, mais ça marche aussi. Ouh. Mais ouais, pour revenir à ce que je disais là, j'attends d'avoir les fournisseurs pour mon MacBook Pro, histoire d'être tranquille au montage, parce que mon ordinateur commence à me lâcher, tu vois. Et là, je pourrais te faire des montages en grosse qualité. Parce que là, je suis obligé de te faire des vidéos en Full HD, même si que ça se voit pas. Clairement, la qualité, elle est bien, parce que la caméra, elle est très très performante. Mais je pourrais te faire des vidéos en 4K, tu auras le bouton 4K, tu pourras appuyer dessus. Et tu seras bien, j'attends ça, vraiment. Ça va faire du bien à la chaîne. 3 secondes. Faut repartir les gars, faut repartir, on parle, on rigole, c'est bien, mais le temps de repos, c'est ce qui nous fera évoluer. Allez, on y va. Allez, hop. 1, ouais. 2. C'est rien. 3. 4. Allez.
5, c'est que le début, c'est rien. Allez. 6, l'entraînement, il commence là. 7. Allez. 8. Allez. 9. Il reste une dernière. 10. Ok. Je pose les haltères. Je mets le temps de repos. Je mets mon trait. Ok. Moi, je vais prendre 2 minutes 30 de temps de repos. Tu peux prendre 3 minutes ou seulement 2 minutes. Et on passe au deuxième exercice, les squats. Deuxième exercice, on va faire des squats en front. D'accord ? Ça veut dire qu'on va prendre les haltères. On va le mettre comme ça. Et on va descendre, d'accord? Je sais que certaines personnes font ça avec des haltères et descendent. Moi, je trouve ça trop compliqué, d'accord? En front, c'est bien, on a un bon contrôle, on est bien. Bien entendu, si c'est chiant, tu peux prendre un haltère, tu le charges bien, tu le prends comme ça et tu fais ton squat, d'accord? Ou tu le prends comme ça, c'est un haltère vissé et tu fais ton squat. C'est possible aussi. Hop! Par contre, si tu as une barre, tu peux, mais prends une barre légère. Parce que à la salle de sport, les barres, normalement, on les dépose comme ça, on est bien. Là, tu devras faire un mouvement comme ça pour la déposer. Ou alors lâcher la barre, mais ça va faire du bruit. Ça sera insupportable, d'accord? Et on ne veut pas ça, d'accord? On veut être tranquille, faire une séance discrète. On va se faire du 4 fois 10 reps, tranquillement. Repos, 1:30. Et puis, c'est parti. Position de départ, hop, on met les haltères comme ça et on descend en squat, on met bien les fesses en arrière, d'accord, c'est important. Allez, 3, 2, 1, on y va. Hop, 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est bien. On met le temps de repos. C'est hyper important. Hop. Squat. Une barre. Et on va en faire 4. Tranquillement. Ouh. Il n'y a pas beaucoup de programmes jambes sur la chaîne YouTube. Je vais essayer d'en faire plus, un peu plus, mais on va pas se mentir, hein, vous êtes comme moi, d'accord? Vous préférez plus le haut du corps, étonnamment plus les bras que les pecs, comme moi, même si que je pensais vraiment que la majorité aurait préféré les pecs. Non, vous, c'est... En fait, vous, ce que vous aimez, c'est mes points forts. C'est les bras, les épaules, vous, c'est vraiment mes points forts, les triceps, biceps, le reste... Vous faites aussi, d'accord, il y a des vues aussi. Mais les plus vues, c'est bras, épaules, tout. Tout ce que j'ai en point fort, c'est ce que vous voulez. Donc, on va bien bosser ça, mais on va aussi bosser les points un peu plus du mal, comme le dos, comme les jambes. Là, vraiment, cette année, c'est ce que je compte vraiment bosser, améliorer, accentuer. Les programmes où j'ai du mal, clairement. Les jambes... J'ai du mal et j'aime pas les faire, mais je vais devoir redoubler d'efforts parce que voilà, j'ai pas envie que vous soyez asymétrique, d'accord? Pas envie que vous soyez, voilà, avec un gros buste et pas de jambes comme moi. Non, il faut être bien. Allez, on y va. Hop, pour la deuxième. Allez. 1, 2, 3. 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Temps de repos, temps de repos, on est bien, temps de repos. Deuxième trait, c'est good, c'est good, c'est good.
Après, bien entendu, hein, si tu veux bosser seulement le haut du corps et pas le bas, t'as le droit. Clairement, t'as le droit. Parce que en vrai de vrai, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ouais, t'es musclé en haut, t'es pas musclé en bas. » Mais il y en a, ils sont pas musclés tout court, tu vois. Mais ils ont rien. Ils ont rien du tout. Donc, je préfère que t'aies un truc que plutôt ne rien avoir et de ressembler à rien, d'accord. Bon, après, bien entendu, c'est subjectif. Moi, j'y ressemblais à rien, d'accord. Mais je trouve qu'il y en a, ils sont contents. Mais là, on est sur une chaîne de muscu. Si t'es là, je pense que c'est physiquement, tu veux quand même ressembler à quelque chose, d'accord. Tu cherches pas la performance, tu cherches pas à être plus fort et tout. Tu cherches à te sentir mieux et physiquement aussi être mieux. Tu cherches à t'aimer, d'accord. Donc c'est important. Et moi le premier, hein, si j'ai fait de la muscu, c'était pas pour être plus fort, hein, d'accord. Je voulais d'abord me sentir mieux, avoir confiance en moi, savoir me défendre aussi, parce que être musclé, ça contribue à bien se défendre, malgré ce que les gens disent. Je chercherai peut-être une vidéo sur ça. Et puis voilà, hein, on part dans 2 secondes. Et puis, on fait les choses bien. C'est important. Allez, on y va pour la 3e. Hop. 1. 2. Allez. 3. 4. 5. 6. 7. Ouais. 8. 9 et 10. Oh, je suis mort. Vraiment. Incroyable. Hier, j'ai couru 1 heure. Ouais, hier, j'ai couru 1 heure. Ça m'a mis KO. Là, je ressens un peu la fatigue d'hier, la fatigue de ma course. Sachant que j'ai pas bien mangé aujourd'hui. Hein. À moins de faire ce programme-là. Tu vois les pâtes chinoises, là. Il y en a qui appellent ça nouilles chinoises, il y en a qui appellent ça soupe chinoise, d'accord. Les trucs à quelques centimes que tu prends, tu mets dans l'eau bouillante, ça te fait un ramen, tu vois. Et j'ai pris ça aujourd'hui, avant de faire le programme. Et là, mon corps, là, il a tout vidé, là. Incroyable, je suis KO. Donc, après, je vais manger mon petit riz, mon petit truc. Je vais peut-être te suivre cette séance d'un 10x10 reps au cœur et biceps, je vais voir. Si je suis pas KO, bien évidemment. Histoire de faire ça bien. Oh. Et puis voilà. Mais franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de te montrer le bureau, la chambre. Auquel je vais faire les vidéos. Je vais bosser, je vais travailler. Je refais toute la chambre. Histoire d'être bien et d'être à l'aise. J'essaie de contacter des salles de sport. Même si c'est compliqué parce qu'on me dit la même chose. Ouais, t'as pas beaucoup d'abonnés, nanana, je sais pas quoi. Pour te faire des programmes en salle de sport, ça va venir. J'essaie aussi de faire une outro 2022. J'aime bien mon outro 2021, mais j'ai envie de changer, d'accord. Une outro My Protein. On va voir ça. Bon, on repart pour la dernière. J'ai pas arrêté le chrono. Et on fait ça bien. Allez, c'est parti. On y va. 1. Ouais. 2. 3. 4, ouais. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. Et 10. Ok. On est bien. Je mets mon temps de repos. Hop. Mon petit trait. On est good. Bon, là, je vais prendre aussi 2 minutes 30 de repos. Toi, tu peux prendre 2 minutes ou 3 minutes, peu importe, mais pas plus 3 minutes. Et on passe aux exercices abdos, aux 2 exercices abdos qu'on va faire. 3e exercice, abdos, ça va aller très très vite parce que les abdos, le temps de repos, il est rapide, comme tu le sais. Ça récupère très très vite. On va se faire 4 fois 15 répétitions. De crunch tranquillement avec 30 secondes de repos, ok. Crunch pour rappel, hop, on se met dans cette position là,
la tête bien sur le sol ou sur le banc, si t'as le luxe comme moi, et on ramène, d'accord? Tranquillement. Alors on met pas les mains derrière la tête, ok? Moi j'aime bien mettre les mains au-dessus des oreilles, tu vois? Histoire d'être bien, mais pas porter ma tête, c'est important. Et aussi, très important, c'est que quand tu fais tes abdos, je l'ai déjà dit, mais je le redis à chaque fois, c'est tes abdos qui montent, c'est pas ton cou qui monte, parce que beaucoup de personnes vont avoir des douleurs au cou, d'accord? Quand tu montes, c'est pas ta tête qui monte, c'est ton buste qui monte, d'accord? C'est comme si que, voilà, c'est tes pecs qui montent, mais c'est pas ta tête. Ta tête, elle suit tes pecs, ok? Tu montes tes pecs, tu montes le buste. Ça, c'est important, tu auras plus mal au cou, tu pourras bosser tes abdos plus longtemps. Donc, on se met en position. 5, 4, 3, 2, 1, 15 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Effacer, temps de repos, on est bien. Hop, abdos, c'est bon. Par contre, je suis désolé ou si je me couche, on entend le micro frotter contre mon pull. Mais ça aussi, c'est un problème. Mais bon, ça, c'est un problème que je vais résoudre d'ici quelques années. Tout dépend de l'évolution de la chaîne. On va pas se mentir. Parce que moi, si je m'écoutais, j'aurais déjà un micro perche qui enregistrait ma voix pour qu'on soit bien, d'accord? Mais bon, je sens ambitieux, ça coûte cher, ces conneries-là. Donc, on attendra. On a déjà un micro-cravate, c'est très très bien. Parce qu'avant, il y avait un micro-canon, j'étais obligé de crier. Là, je parlais doucement, tu m'entends bien. Mais ça va venir, ça va venir. Grâce à vous, grâce à la force que vous apportez. Par contre, là, je suis passé à 48 parce que j'ai trop parlé. Comme j'ai trop parlé à cause de vous, là, on va faire 30 reps. C'est parti. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Oh. Voilà, comme on a trop parlé, la punition elle est pour tout le monde. Par contre, mon micro il est en train de pendre, c'est pas bon ça. Je mets la deuxième barre. Ça n'a pas compté pour deux, hein. Ça a compté pour une seule série. Les autres ont fait 15, d'accord? Mais c'est comme ça. Quand on respecte pas le temps de repos, il y a la punition. Et la punition, comme à l'armée, c'est pour tout le monde. C'est pour le sensei, c'est pour vous aussi. On est à 30, on repart 15. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Temps de repos, je m'ai montré. Je bois un peu d'eau. Toi aussi, bois un peu d'eau parce que les abdos, ça peut donner des crampes. Une gorgée ou deux, pas plus. Voilà. Histoire de ne pas être ballonné non plus. Sinon, tu ne pourras plus faire tes abdos. Tu auras mal et l'eau, elle va remonter, tu vois. Et tu vas faire une fontaine à eau et c'est pas ce qu'on veut. Hop. 28, 29. Dernière. Hop. On fait les choses bien. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, alors je mets mon temps de repos tranquillement. Je vais prendre une minute, ou un peu moins d'une minute, histoire de retirer la barre qui est devant moi là et placer au relevé de jambes. C'est important. Bon, bah en fait, clairement, j'aurais pu laisser le temps, la minute découler, mais elle est finie. J'ai marqué relevé de jambes. Hop. Et c'est parti. Relevé de jambes. On va se faire
4 fois 15 répétitions aussi. Par contre, là, ça va faire un peu plus mal parce que les relevés de jambes, c'est là où on stocke le plus de gras, d'accord? C'est là où ton ventre, il n'est pas content quand tu le travailles parce qu'il se dit que tout ce que tu as mangé comme connerie, ben là, il te le fait souffrir, tu vois? Donc, ça va faire mal, mais on va quand même faire notre 4 x 15 avec 30 secondes de repos, ok? Soit tu prends un banc, soit tu prends le tapis. Un banc, c'est bien parce que tu peux avoir appui. Par contre, je te conseille une chose, si tu es couché au sol, essaye d'avoir, je sais pas, le support de ton lit ou un pied de table ou un pied de chaise, tu vois, où tu prends appui dessus. Après, faut que ce soit, pardon, une chaise solide. Parce que si tu as une chaise pas solide et tu as des gros bras comme moi, la chaise, tu vas l'envoyer très très loin devant toi. Et c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc, on va faire ça bien. Pour rappel, relevé de jambes, hop, on est couché. Comme je t'ai dit, je prends appui, hop, jambe droite et je lève. Ok? Hop! On va faire ça 15 fois. Hein, le fait de parler, ça me fatigue déjà d'en faire. Mais je dois compter, c'est important parce qu'il faut que je te motive. Allez, on y va. Hop! 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, j'ai un temps de repos. Je vais baisser l'iPad parce que si je lui mets un coup de talon, ça il va pas apprécier. Comme les écrans des iPads sont encore plus fragiles que les écrans des iPhones, je serais vraiment triste de le casser, sachant qu'il faut que j'achète un MacBook Pro à plus de 3000 euros. Donc ça va être chaud. Déjà, il faut que je mette de côté. Ça va vraiment être chaud. 2 secondes, on repart. Allez. C'est le plus dur. Mais c'est ce qui fera le plus de bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et 15. Oh. Ah. Temps de repos. Deuxième trait. Comme ça, on est tranquille, on est bien. Oh. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour acheter un Mac à 3000 euros, sachant que sur YouTube, je suis payé à peu près 100 euros par mois. Ça va être compliqué. Enfin, un peu moins de 100 euros, parce qu'on a 100 dollars. Dans les 80-90 balles, c'est compliqué. Allez, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Oh, ok. Hop, je mets le temps de repos. Troisième. Une dernière et après on est bon. On est bon, on est tranquille. La séance est terminée. Mais là on reste focus. C'est pas fini. Tant que la séance n'est pas finie, on regarde le temps de chrono et on réfléchit à notre vie, d'accord? Parce que là, ça va vraiment être compliqué. Ouh! Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Oh. Ouh. Ok. J'allais mettre mon temps de. Enfin, mon chrono. Pourquoi faire? Je sais pas, parce que ça sert plus à rien. Bon.
L'équipe. Oh. La séance est terminée. C'était une séance tranquille, d'accord? Tranquillement. Parce que le problème, c'est que pour travailler les jambes efficacement, du moins avoir des grosses jambes, eh ben, il n'y a pas mieux que les machines à la salle de sport. C'est pas comme les biceps, les épaules, les triceps et tout. C'est beaucoup plus complexe. Ok? C'est pour ça qu'on a mis deux exercices jambes, pardon, de renforcement et abdos. Cette séance-là, ben, si par exemple, tu n'as pas beaucoup de jours dans la semaine, tu veux faire ton programme, tu as 3 jours, tu la mets, comme ça, tu es complet. D'accord? Avec les autres séances que je t'ai envoyées. Comme je t'ai dit, j'essaierai de faire des. Enfin, je ferai. Je ne savais pas, je ferai des exercices en 10 fois 10 reps, histoire que tu sois bien, qu'on puisse bosser ensemble et évoluer ensemble dans cette playlist cool. Et puis voilà, la séance est finie pour nous. À part si toi tu veux te faire un autre programme, point faible et tout, dans une de mes playlists, je t'invite à aller regarder. Si t'as aimé cette petite vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Comme je t'ai dit, c'est le meilleur de soutien. Et si je continue ce format là, c'est parce que beaucoup de personnes aiment, partagent et commentent et tout. Parce que de base, je devais faire des vidéos où je parle pas, tu vois, programme et tout. Programme avec de la musique derrière et tu fais pareil. Mais bon, ça c'est grâce à vous, c'est grâce à vous tous. Et je vous en remercie pour ça. Ok? Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk.